La ville, ce désert de béton où j'erre sans raison. Depuis que je suis le dernier homme sur Terre, je cherche un but à ma vie, ou à ma survie. J'ai pas le temps, tête de pruneau. Je vais dégommer le prince de la mouquette, je vais le dégommer. Mais fais pas ta pute. Je vais le défoncer en un coup, Je vais le dégommer. Prince de la mouquette, je vais te... Tiens, mais qui voilà, Karate Boy qui débarque en plein milieu du goûter mensuel de tous les méchants de la Terre. Mais viens, assieds-toi, prends une chaise, on te cassera la gueule après le dessert. Ah non, mais je repasserai, hein, j'avais pas prévenu, donc ça se fait trop pas, je suis désolé, je repasserai... Empêche-le de partir, les frères Labos! Oh, me voilà dans une belle chausse-trappe! Je vais enfin en finir avec toi, Karate Boy, et nous sommes tous très contents, n'est-ce pas? Amiral Lafrousse. Tu sais, Karate Boy, si on était dans un film de série B, j'enverrais les méchants un par un pour te combattre. Et si tu arrivais à les battre, j'enverrais l'adjudant Sunshine contre toi. Et si tu arrivais à le battre, ce qui m'étonnerait, tu pourrais enfin te mesurer à moi et mon doigt de la mort. Mais ici, Karate Boy, on n'est pas dans un film de série B. Non, on est dans la vraie vie. C'est la vie post-apocalyptique ici. Alors on va tous t'attaquer en même temps, parce qu'il n'y a plus de race humaine, alors on n'a pas de race. Allez-y! Faut de la hiérarchisation. Alors, on va faire comme ça. Les méchants à qui on n'a pas donné de nom. En premier. Ensuite, les frères Labos. Ensuite, Lafrousse. Ensuite, Sunshine. Et ensuite, moi. Allez, en file indienne. Allez, en file indienne. Donc, mais okay, comment vais-je pouvoir battre autant d'ennemis? Oh, mais mince! L'oracle! Très bien. Oh! Hey, l'oracle! Dis-moi ce que tu dis toujours à la fin de tes phrases. Mais fais péter, pute. Non, là, ce que tu viens de dire, là. Le point faible de l'ennemi, c'est le lobe. Oh, mais oui, le lobe des oreilles. C'est complètement logique. Pourquoi j'y avais pas pensé? Le lobe de l'oreille. Mais pourquoi j'y avais pas pensé avant? Ça me fout le temps. J'étais allé faire pipi. Oh mon dieu, Stéphane, réveille-toi. Alors ça, c'est inattendu. Oh mon dieu, Stéphane, oh mon dieu. J'en connais un qui va sentir fort la mort. Un arbre magique en suppos, peut-être. À nous deux, Sunshine. Non, tu ne tueras pas mon âme sœur. Ton prochain ennemi, c'est moi. Fuis, Sunshine, fuis. Va où tu sais. Où tu sais. Ben non, je sais pas, tu m'appelles, c'est pas... Si. Où tu sais. Non, je sais pas, qu'est-ce qu'il y a... Si. Va. Va. Où tu sais. Vas-y. Où tu sais. Casse-toi. À nous deux, prince de Médon. J'espère que vous faites
sa prévente. Non, parce que le bras droit du chef, il marche plus, là. C'est chai. Je suis super joyeuse de te voir, Max. Où étais-tu? J'ai accompli mon destin, Karate Boy. J'ai unifié les tribus. J'ai même une armée de 28 hommes qui m'attend en bas de cette tour. Alors tremble! Tremble, prince de la mouquette! Ton règne est fini! Mais d'ailleurs, tu n'es plus prince de rien du tout, prince de la mouquette! Très bien! Alors appelez-moi Mouquette! Mouquette! Je te tue et après je t'embrasse, Max. Un ou deux, Mouquette! Bon sang! Le prince de la mouquette vient de cacher ses lobes d'oreille avec sa ceinture. Il est donc virtuellement immortel! Oh. Un ou deux, Mouquette! Le doigt de la mort! Le doigt de la mort! Le doigt de la mort! Le doigt de la mort? Le doigt de la mort, oui! J'ai plus rien à dire, en fait. Hiya! Alors, Max, on le fait, ce petit roi? Et si... Karate Boy tue tous les méchants de la Terre grâce à sa force karaté. La belle Max, reine des Amazones, lui donna un enfant qu'ils nommèrent en signe de reconstruction de l'humanité, Adam et Ève. Un prénom bien lourd de sens pour un petit garçon. Il allait devenir le roi des hommes. Mais ça, c'est une autre histoire. Alors, t'as fini? Ouais. Tu m'as donné un rôle de méchant? Ah bah oui. Cool. J'ai super hâte de lire. Tu apportes ça? Alors, j'amène aussi le costume auquel j'ai pensé pour que tu vois un petit peu ce que j'ai en tête. Ok, je t'attends.